Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le hasard du montage qui s'est intercalé entre, entre chacune des coupures de vidéo. On va reprendre immédiatement euh, la suite de la vidéo précédente, là où on s'était arrêté. Donc ça va reprendre un peu brusquement, j'en suis désolé, mais voilà. Ensuite, après vous avoir présenté Backstreet Girl, je vous ai présenté... Pou -pou 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 -furu. Chihaya Furu de Suetsugu Yuki, euh, donc qui est actuellement en 46 tomes. À l'époque, quand je vous l'ai présenté, je crois qu'il y avait 44 ou 45 tomes. On est donc maintenant à 46 tomes. Et j'ai mis la, la partie compétition en premier à 31%. L'amitié vient pour moi juste après les, euh, à 30%. Et le sport vient ensuite après on va dire ouais mais compétition et sport est ce que ça se mange pas un petit peu euh, le truc mais oui mais on peut avoir beaucoup de, de manga qui traitent de sport mais d'où la où la compétition l'aspect compétitif est euh, très secondaire voire quasiment absent alors que là au contraire dans euh, Chihaya Furu euh, ils font ce, cette activité sportive pour la compétition et pour être les meilleurs donc, c'est pour ça qu'ils sont tous les deux euh, avec des valeurs aussi importantes. J'ai glissé l'amitié au milieu parce que c'est quand même le, le ressort, le support d'attrait qui nous permet de découvrir toute cette flopée de personnages euh, et d'en rajouter toujours de plus en plus et de, et de s'accrocher avec eux et de les apprécier tous autant les uns que les autres. Et ensuite, bah, le côté school life et slice of life, les deux sont présents, les deux ont de l'intérêt et sont importants, mais euh, ils valent finalement assez peu de choses comparativement. Euh, à l'aspect compétitif, sportif et, euh, et l'amitié de ces personnages. Donc, School Life et Slice of Life, les deux sont présents dans le récit, mais euh, là, c'est vraiment un rapport qui est proportionné. Hein, ils ne sont que à 5%, parce que euh, le, re le reste prend tellement de place. Ensuite, nous avons Dahlia, artisan magicienne. Souvenez-vous, ce fameux manga dont j'ai tellement parlé, donc aux éditions Comikoo depuis le 2019. Cela, on, on vient de rentrer dans notre deuxième quatuor de présentation. Donc, Dahlia, artisan magicienne, c'est un isekai, mais l'isekai, comme je vous ai dit, il est vraiment très 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 tertiaire, euh, tellement ça a peu d'impact, en fait, dans euh, notre récit. Ce qui est le plus important, c'est clairement toute la partie work life, toute la partie travail vie au travail. Ensuite, eh bien, c'est j'ai mis en valeur la partie amitié parce qu'en fait, ce sont toutes les amitiés que va euh, se créer Dahlia dans son environnement professionnel et social qui va prendre de la place là où l'amour aurait pu euh, avoir l'air de prendre de la place finalement. Tout ça ça stagne, ça stagne tellement que se retrouve relayé à 8%. L'aspect fantaisie est aussi assez important puisque c'est ce qui fait euh, fonctionner tout euh, tout cet univers et euh, l'aspect c'est du coup l'aspect plutôt slice of life qui même prend plus de place en corrélation avec euh, l'amitié et tout ça donc là on est vraiment sur euh, ben, un résultat qui met vraiment très 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 en avant toute la partie travail et aussi la partie euh, relations sociales, amitié pour dalia donc voilà chou 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 Descendons, descendons. Ensuite, nous avons eu Eden Zero. Eden Zero, donc de Mashima Hiro aux éditions Pika. C'est un shonen. J'ai mis en premier l'aspect aventure et l'aspect amitié pour moi ce sont vraiment les deux supports narratifs principaux de l'histoire hein. c'est vraiment voilà ça occupe 45% de, de, des thèmes pour moi je pourrais même les mettre plus haut mais sinon j'aurais pas assez pour, proportionnellement il faut quand même que je puisse mettre en valeur tout le reste alors oui j'ai choisi le thème fan service on pourrait aller chercher le thème où est-ce qu'il est, qu est ici etchi mais je pense que pour moi oui etchi ça veut dire pervers coquin très coquin je préfère pour le coup là ici utiliser le thème de fanservice, service parce que on est dans de la coquinerie euh, comment dire humoristique on est dans de la coquinerie je veux dire gentillette mais c'est pas la bonne expression parce que la fanservice, service ça reste du sexisme mais disons que euh, proportionnellement à d'autres fanservices dont pour avoir de, on pourra plus, qu'on aura l'occasion de, de parler plus tard dans d'autres présentations, on, on est sur un fanservice qui est, oui, très 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 présent et qu'on pourrait considérer comme vulgaire, mais, je le, mais proportionnellement, je le considère moins vulgaire que d'autres fanservices dont on aura l'occasion de parler et dont, d'ailleurs, on va parler très rapidement dans, dans, je, on va voir la très prochaine très rapidement dans, dans cette vidéo et que, du coup, je qualifie de fan service, mais carrément de etchi. Je proportionne un peu. Donc, pour moi, dans Eden Zero, même s'il y a beaucoup de fan service et qui prend beaucoup de place, ça reste du fan service. Ensuite, la, com la comédie aussi est très présente. Et enfin, on est sûr du space et opéra et de la science-fiction. Oui, c'est vrai que euh, Mashima Hiro a dit que pour lui, Eden Zero, c'était plus de la fantasy que de la science-fiction. Mais dans les faits, euh, pour moi, c'est d'abord de la science-fiction, surtout que d'un point de vue littéraire, eh bien, on considère que la science-fiction, eh c'est un méta-genre, c'est un méta-thème qui va englober différents sous-thèmes comme le post-apocalyptique, euh, le, bah, le fantasy, euh, le fantastique. Fantasy et fantastique sont deux choses différentes. Je, avant, je mettais tout fantastique, mais en fait, je, je, c'était pas bien à gérer. Parce que j'avais tendance à considérer que fantastique, c'était eh justement les elfes, les orques et tout ça. Euh, et Alors qu'en fait, ça, c'est de la fantasy. Et que pour moi, je, ce qui était l'intrusion du fantastique dans notre quotidien, c'était ce qu'on appelait de l'étrange. Parce qu'en fait, l'étrange, c'est la même chose, mais avec la petite condition qui fait peur. Donc, voilà, ça, c'est pas... C des, c est, c est, on joue sur les mots, vous allez me dire, mais bon, autant être précis quand on peut se permettre d'être précis. Donc, euh, pour moi, euh, le, le terme science-fiction correspond. Parce que du coup, dans le méta-genre science-fiction, il y a aussi le sous-genre de la science-fiction qui est tel qu'on euh, l'entend euh, dans, le, dans, dans le conversationnel, c'est-à-dire euh, des possibilités futures ou présentes, ou futures à court terme, ou futures lo à loin, loin, lointaines, etc., euh, de notre humanité ou d'une humanité euh, imagée, euh, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, la science-fiction, tout simplement. Ensuite, Flying Witch. Alors, Flying Witch, là, pour le coup, on est sur quelque chose euh, d'un petit peu. Euh, donc, euh, c'est un, euh, un manga shoujo de Chihiro Ichizuka, donc plutôt de Ichizuka Chihiro, pardon. Et là, donc, j'ai mis vraiment. Euh, on est sur quelque chose euh, d'assez. Euh, tout, tout, tout fonctionne ensemble. La fantaisie, l'amitié, la comédie, le slice of life. J'aurais presque pu tout laisser à 25%, mais j'ai préféré proportionner un petit peu les choses euh, telles que je les ressentais. Donc, effectivement, Fantasy d'abord à 27, puis Amitié à 26, la Comédie à 24 et le Slice of Life à 23%. Et je trouve que c'est un bon équilibrage euh, des valeurs de cette manière-là. Sinon, il aurait fallu que je mette Amitié et Comédie à 25-25, ce qui me paraissait un petit peu chelou. Je trouve que ça, va, je trouve que ça fonctionne assez bien comme ça. Donc, et on est vraiment pour le coup, je trouve, avec Flying Witch, sur un manga qui s'équilibre assez bien sur ses euh, sur ses quatre bases, sur ces quatre trucs, sans forcément en exploiter plus, fondamentalement plus l'un que l'autre. Tout euh, tout tout marche très très bien, je trouve, main dans la main. Peut-être qu'on pourrait intervertir comédie et slice of life, dépendamment de comment on ressent les choses personnellement. Là, voilà, on arrive sur Gestalt. Gestalt, hein, donc 40% drame, 35% science-fiction, 25% société. Peut-être, peut-être que si l'auteur eh ben, s'était moins euh, accroché à essayer de faire du drame euh, relationnel entre tous ces personnages et avait davantage mis euh, en avant eh ben, son questionnement sur la société et sur la science-fiction, peut-être que... On, serait, euh, on aurait une œuvre un peu mieux, mais bon, avec des si, vous savez, on met Paris en bouteille, on fait de la musique, mais on fait pas un bon manga. Désolé Monsieur Ringo Yoto. Donc voici pour Gestalt, pas grand chose à en dire, j'en ai je me suis assez euh, acharné dessus bonjour bonjour à toutes et à tous je suis le hésor du futur ou plutôt le hésor qui est actuellement en train de faire le montage de cette vidéo que vous êtes en train d'écouter ou de regarder elle est beaucoup plus longue, elle s'est trouvée à être beaucoup plus longue à l'enregistrement que ce que j'avais prévu, puisque j'étais... Euh... En fait, toute cette partie que vous êtes en train de suivre, où je suis en train de faire des analyses, une... un retour sur toutes les, euh... tous les mangas, toutes les vidéos que j'ai déjà faites, plutôt tous les mangas, on va dire, eh bien, je euh, j'avais pas du tout bien évalué le temps que ça allait prendre, parce que je, je me retrouve à tout rejustifier, tout, est... tout expliquer, etc. À faire des petits résumés sur chacune. Donc forcément... C'est beaucoup plus long que ce que j'avais initialement prévu dans mon script, et je me retrouve avec une vidéo qui fait au final 50 minutes. Donc je suis actuellement en train de la redécouper, mais j'avais pas prévu effectivement de, de ce découpage. Donc je me voilà, je m'insère euh, de manière plus logique dans les vidéos précédentes. J'avais pas fait ça très proprement, je le reconnais. Euh, quand j'avais des vidéos trop longues, je vous mettais un petit message écrit en disant attention, ça va bientôt couper, et je le faisais là. Euh, J'essaye de faire les choses un peu mieux, j'essaye de prendre plus soin de mes vidéos et de ma chaîne au fur et à mesure que je m'investis dedans. Donc voilà, je, fais, je, fais, je vous préviens. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à faire part de vos remarques et impressions en commentaire en dessous de cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo auprès de vos amis qui pourraient être intéressés par ce que je fais. C'est la première fois que je vous, fais, que je vous dis ces choses-là. Habituellement, je les mets plutôt dans la section explication de la vidéo. Mais j'ai décidé de m'investir davantage euh, dans, dans ce projet personnel qui me tient très à cœur. Donc, eh ben, cette fois-ci, et pour les vidéos à venir, eh ben, je vous fais euh, ces petites phrases un peu convenues. Mais voilà, je vous remercie pour votre attention. Et à très vite pour la prochaine vidéo.